Mesdames et messieurs, l'heure est très très grave du côté du Tchad. Nous avons enregistré de fortes explosions sur le territoire tchadien, plus précisément dans la ville de Goudji. Ça s'est passé dans la nuit du 18 au 19, donc aujourd'hui, sur le territoire tchadien. Mais alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, lorsque vous recevez la vidéoconférence, vous savez, nos vidéos sont tellement sensibles. Veuillez les sécuriser avec un maximum de j'aime. Poussez les j'aime pour sécuriser la vidéoconférence et beaucoup de cœur d'ailleurs. Voilà. Et aussi, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Envoyez cette vidéo sur toutes vos plateformes des médias, que ce soit dans vos profils Facebook ou page Facebook ou encore vos groupes WhatsApp, pour permettre à tout le monde de connaître ce qui se passe dans l'actualité internationale et aussi amener l'éveil de conscience. Et les nouveaux sur cette page, bienvenue. Cliquez sur suivre en bleu juste là et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, dans la nuit du 18 au 19 juin 2024, nous avons enregistré de fortes explosions dans cette localité de Goudji. Je pense que c'est en N'Djamena, si je ne fais pas erreur. Laissez-moi en commentaire, les Tchadiens. Laissez-moi en commentaire Goudji là. Je pense que ça doit être en N'Djamena. C'est l'un des centres militaires de Monsieur Déby. Voilà. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça fait ici de nombreux dégâts, comme vous pouvez constater en image. Il y a eu plusieurs dégâts et il y a eu aussi des repos éternels. Il y a des multiples touchés. Je vais vous donner les chiffres tout à l'heure. Le bilan est énorme. Ah oui, le bilan est énorme, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui a causé ces explosions sur le territoire tchadien? Qu'est-ce qui est à la base, même d'ailleurs? Alors, avant d'entrer en profondeur, laissez vos avis en commentaire. Et si vous n'avez rien à écrire, s'il vous plaît, mettez tout simplement salut, état d'urgence dans les zones de commentaires. Et aussi, si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs ou des étoiles en commentaire. Vous comprenez? Cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous au maximum, je vous en prie. Au maximum, s'il vous plaît. Voilà. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, pour un premier temps, nous avons d'ailleurs vu, parce que moi j'ai dit, il y a trois scénarios que nous allons décortiquer. Pour un premier temps, Monsieur Déby Kaka a beaucoup de soldats qui ont des aéré de salaire. Je vais vous donner cette partie-là tout à l'heure dans les informations officielles. Il y a plusieurs militaires tchadiens qui ont des aéré de salaire. Et ça va même au-delà. Vous comprenez? Deuxième temps, nous avons aussi peut-être les troupes de l'opposition de Déby Kaka. Oui, faut pas l'oublier. Il y a des soldats de l'opposition qui sont tellement remontés contre ce monsieur de Déby Kaka Idno. Et à la troisième position, nous avons les maîtres, soit les ex-maîtres de monsieur Déby Kaka Idno qui sont là, voilà, la France. Comme nous connaissons. Parce que incessamment, M. Déby avait accepté de faire venir la Russie sur son territoire. Oui, il a fait venir la Russie sur son territoire. Pourquoi ça ne s'est pas passé avant? Pourquoi ces explosions sur le territoire tchadien ne s'étaient pas produites avant? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Mais c'est après que les troupes russes ont gagné du terrain que, voilà, M. Sergueï Lavrov est incessamment passé rendre visite à ses homologues, au président Déby Kaka et voilà tout le staff du gouvernement. Hein? Incessamment, nous avons vu des soldats russes qui sont partis libérer les militaires qui avaient été pris du côté des terreaux-terreaux, entre les mains des terreaux-terreaux. Et nous avons même d'ailleurs vu l'ouverture de la frontière entre la Centrafrique et le Tchad. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, lorsque nous voyons tous ces dessins-là, il faut que nous puissions en parler. Il faut que nous puissions décortiquer, c'est ça en fait notre base, les décortiquages et les analyses. On cherche à comprendre, on cherche à connaître la cause. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous donner des informations officielles où nous avons d'ailleurs enregistré 9 repos éternels qui sont partis à jamais au centre de santé. Lorsqu'ils étaient dans les soins de secours, ils sont partis au repos éternel et nous avons enregistré même d'ailleurs 46 touchés. Vous comprenez, je ne vais pas employer le terme.
Vous connaissez 46 personnes qui ont été touchées. Oui, sur cette affaire qui vient de se produire du côté du Tchad. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, selon les informations des médias, je vais vous citer ici, après un travail exceptionnel abattu dans la nuit du mardi au mercredi 19 juin 2024, afin de maîtriser l'incendie, l'incendie s'est déjà produit, afin de maîtriser l'incendie au camp militaire de Goudi, les sapeurs-pompiers de la caserne de N'Djamena accusent 2 mois d'arriérés de salaire et ne perçoivent ni de prime de risque, ni de prime générale d'alimentation. Il est essentiel que ces soldats de feu qui risquaient leur vie pour sauver d'autres vies soient correctement traités et soutenus selon les médias locaux. Vous comprenez? Donc, voilà l'information où ce média nous a donné que eux, ils se basent sur un plan de sabotage des troupes tchadiennes, que ce sont les troupes tchadiennes qui ont émis ce sabotage-là. Les Tchadiens, vous pouvez un peu nous témoigner en commentaire, ça va tellement nous faire plaisir et beaucoup de gens vont vous lire, s'il vous plaît. Voilà. Donc, concernant cette affaire, je pense que les Tchadiens, bon, on peut dire oui, on peut dire non, parce que au sein des troupes militaires de Déby Caka, il y a des opposants à Déby Caka. Oui, parce que nous savons ce qui venait de se passer il y a de cela quelques jours, quelques mois, sur le territoire tchadien, où on a vu beaucoup de militaires, même d'ailleurs, qui étaient opposés à Déby Caka. Mais ce n'est pas seulement ces soldats tchadiens qu'il faut regarder, parce que les maîtres de Déby Caka, en ce moment-ci où je vous parle, ils sont tellement remontés. Oui, ils sont remontés plus que jamais. Ils sont remontés. Posez-vous des questions. Pourquoi ça ne s'était pas produit avant l'arrivée de la Russie sur le territoire tchadien? Pourquoi ça ne s'était pas produit? Mais on doit se poser des questions. Je ne dis pas que ce plan de sabotage ne peut pas exister. Non, ça peut bel et bien exister. Hein? Vous savez, ces gens, lorsque tu commences déjà à prendre une autre trajectoire, que tu veux déjà les laisser, que tu veux déjà les abandonner en cours de chemin, mais ils se révoltent contre toi. Ils commencent par des plans de sabotage. Oui, ils viennent par des plans de sabotage. Et ce sont, on a vu, des obus qui ont fait la chose. Des obus. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, un camp militaire, oui, d'entrepôt de munitions, des obus, des grenades, tout ce qui est concernant ici l'armement, dans un entrepôt, tout est parti. De quoi s'agit-il? Est-ce un groupe de terreaux qui sont aussi remontés par rapport au sauvetage que les troupes russes et militaires tchadiens ont fait sur leurs collègues? Je ne sais pas. Essayons de voir en commentaire, parce que les autorités tchadiennes n'ont pas encore donné ici les vraies causes en fait de ces dégâts-là, de ce qui vient de se produire. Ils n'ont pas encore donné les causes de cette explosion. Vous comprenez? Et ça a envoyé beaucoup de gens au repos éternel. Parce que la position de ce dépôt militaire, vous comprenez? Était positionné à côté des habitations. C'était positionné à côté des maisons. Imaginez la suite. Qu'est-ce qui pourra bien se passer, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles? Donc, c'est un événement qui n'est pas du tout bon. C'est quelque chose qui m'a tellement touché parce qu'il y a des innocents, des civils qui sont partis pour de rien. Pour de rien. Et d'autres sont présentement dans les soins. Alors, on souhaite ces membres, prompt rétablissement à ceux-là qui sont encore en vie et Yako, à ceux-là qui sont partis parce que ce n'est pas de leur faute. Eux, ils ne connaissent rien dedans. Vous comprenez? Mais il faut essayer d'élaborer ces plans-là. Il faut essayer de connaître la cause parce qu'il y a plusieurs causes. Nous connaissons la situation actuelle du gouvernement tchadien qui dandine de deux côtés. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voilà en fait ce qui s'est passé du côté du Tchad ces dernières 24 heures, plus précisément dans la nuit du 18 au 19 juin 2024.
Merci de m'avoir suivi. Veuillez partager au maximum cette vidéoconférence dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères et confrères de connaître réellement ce qui se passe. Poussez un maximum de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence et laissez vos avis en commentaire. Au cas où vous n'avez rien à écrire, écrivez tout simplement « Salut état d'urgence » dans les zones de commentaires et surtout, les nouveaux, cliquez sur « Suivre » en bleu et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous au maximum à notre chaîne YouTube. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.